Vous savez, le Yémen est un pays très proche de Djibouti. Nous avons 20 kilomètres à partir d'ici. Le Yémen a été victime de ce qui s'est passé en Syrie, de ce qui s'est passé en Libye, de ce que certains pays arabes ont été véritablement les victimes d'une espèce de complot, n'est-ce pas, pour l'unité arabe. Et le peuple yéménite a été attiré par un autre fléau ou une autre conspiration, un autre, si vous voulez, coup qui nous vient d'un pays extérieur de la région. Djibouti a été victime parce que nous avons reçu beaucoup, beaucoup de réfugiés yéménites. Et sans l'apport, le soutien, la solidarité du gouvernement saoudien et à sa tête le roi Salman, la situation aurait été véritablement aggravée, n'est-ce pas, par l'attitude des Houthis qui ont complètement détruit le pays et qui ont risqué, si vous voulez, la paix et la sécurité maritime. Mais ils n'ont pas réussi parce que la vigilance des forces internationales, et notamment saoudiennes, les ont empêchés. Les tentatives, si vous voulez, de fermer cette route et de créer l'insécurité, d'empêcher les assurances, si vous voulez, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Sans l'Arabie Saoudite, il n'y aurait pas eu cette paix que nous vivons dans ce corridor.